Parece que me toca bailar, hermano. Qu'est-ce qui se passe? Tu danses plus? Tes préférés, je crois. Content de te voir, Ada. La torture, c'est vraiment pas mon truc. Et oui. Je te remercie. Tu sais, ces abrutis de moines à la con ont pris tout ce que j'avais. Y compris l'ambre? Non, je suis malin. Je l'ai caché juste à temps. Ok, tu m'y emmènes? Avec plaisir. Bon, on y va. Suis-moi. C'est près d'ici? Pas exactement, mais c'est un lieu sûr. Pas d'ambre, pas de deal. On est d'accord? Oui, je sais, je sais. D'ailleurs, vous comptez en faire quoi? Ça, j'aimerais bien le savoir. Matadlo. Os vamos a aniquilar. On a de la compagnie, ils nous cherchent. On passe par le toit, d'accord? Compris. Bon voyage, Luis. Arriba y listo. Va chercher l'ambre. On se voit plus tard. Non! Attends, tu crois quand même pas que je vais laisser une de moi? Ok, on se retrouve à l'église. Et pas pour ton enterrement, hein? Contrôle, vous m'entendez? Luis a caché l'ambre. Je lui ai demandé d'aller le chercher. Contrôle, vous me recevez? Je t'écoute. Continue. On a eu quelques petits imprévus. Et? Qu'est-ce que tu comptes faire? Luis est déjà en route pour l'église. Je suis ses moindres déplacements. Très bien. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Bien sûr. Je dois juste vérifier mon itinéraire. J'ai besoin d'une vue globale de la zone. C'est là que je dois aller. Reste sur les hauteurs. Tu sais comment faire. Et n'oublie pas ton objectif, l'ambre. C'est la seule chose qui compte. Mets vite la main dessus. Et apporte-le-moi. Je suis presque.
Il m'a chargé de récupérer l'ambre. Un objet synonyme de malheur. Quelles atrocités seront commises en son nom? Et qui en paiera le prix? Parce que dans ce monde, quelqu'un paie forcément. Mieux vaut ne pas poser de questions. Ça, je l'avais compris. Je l'avais accepté. Jusqu'à ce que cette nuit à Raccoon City vienne tout changer. Je me dirige vers le point de rendez-vous avec Luis. Les Illuminados sont encore en état d'alerte. Reste sur tes gardes. Bien reçu. Terminé. Ça, c'est de l'accueil. Je m'attendais pas à tant de monde. Je me demande ce qui les rend aussi nerveux. La fille du président. Sans aucun doute. Ouais, ça tombe plutôt mal. Considère la zone comme affectée. Tout le village est touché. J'ai lu le rapport. Je devrais m'en sortir. Léon, pourquoi ça me surprend pas? C'est gentil de t'occuper d'eux pour moi. Essayons de trouver un autre chemin jusqu'à l'église. Il est où? Encore un faux plan. On dirait qu'il a besoin d'un coup de main. T'inquiète pas, Léon. Cette fois, c'est gratuit. Ne fais pas attendre, Luis.
On vient de perdre le signal de Louis, quelque part dans les environs du village. Attends-toi au pire. C'est le territoire de Mendes, non? Sa maison est là-bas. Je peux peut-être aller y jeter un œil. Vas-y. Je vais essayer d'en savoir plus de mon côté. Ok. Maintenant, la maison de Mendes. Ton sang a accepté le temps. Continue à les distraire, Léon. Ok, ça lui fait rien. Il y a quelque chose. Sûrement Mendes. Évidemment, il n'y a personne. Ce sont celles de Louis.
C'est peut-être sa fréquence. Ada. Je savais que tu me trouverais. C'est mon job. Ça y est, t'es prêt à me donner l'ambre? Il y a une grande maison un peu isolée après le moulin. Tu vois où c'est? Ouais, ça me dit quelque chose. On se retrouve là. Je t'attends. Dure journée. Wesker, qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Arrête de me faire perdre mon temps, Ada. Trouve Loïs et apporte-moi l'ambre. En tout cas, merci pour la chambre. Vous restez? Pour m'épauler? Je ne suis pas ton babysitter. Arrange-toi pour être un atout et pas un fardeau. Je ne tolérerai pas plus longtemps ton incompétence. Mollo les menaces, Wesker. Fais ton travail. Je te recontacte. Ada, tout va bien? Je t'attendais. Tu viens toujours, hein? Ouais, j'ai juste eu un petit contretemps. Je suis en route. Ça marche. À tout à l'heure. Ciao. Eh ben, t'as vraiment la cote, Louis. Faites beau rêve. Hey, t'as pas une clope? Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer, juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien.
Je vais le chercher maintenant, ok? J'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Sûrement pas prévu de revenir ici, hein? Ah, la vie est pleine d'imprévus, non? T'es fâché? Ok, t'es fâché. Bon, il y a juste un petit truc que je dois faire avant de récupérer l'ambre. Avant? On n'est pas en train de négocier, Louis, alors fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Quelqu'un qui a besoin de moi. Et tu me connais. Je suis un bon samaritain. Laisse-moi deviner. Léon ? Oui, c'est ça. Léon et cette jeune femme. Ils sont tous les deux infectés. Il leur faut ce médoc. Il ralentit l'infection. Et je sais qu'il marche. Je l'ai utilisé. Sur moi-même. Donc... Et en quoi ça peut m'intéresser ? Parce que toi aussi t'es infecté. Ça fait des années que j'étudie ça, Ada. Et je peux voir les symptômes apparaître dans tes yeux. Tu dois déjà ressentir les effets, non? Le médoc les arrêtera pendant un temps. Juste, fais-moi confiance. Tu as tout à gagner. Et rien à perdre. Ok, mais là, c'est ta dernière chance. On s'occupe de ça, et ensuite de l'ambre. Je vais appeler Léon. Hola, c'est Louis. Toujours dans le coin? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien... disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao! Désolé de t'avoir fait attendre. On y va? Non, non, non! Faut absolument qu'on récupère le médicament! Louis! Laisse tomber! Louis! Louis! Reviens ici! Ne respire pas la fumée! À mourir. Attends au moins de m'avoir donné l'ombre. Il n'y a plus rien. Tout a cramé. Pourquoi c'est si important pour toi? Il y a des choses que je dois réparer. Mais maintenant, c'est impossible. Tout est foutu. Je ne peux plus rien faire pour eux. Ressaisis-toi, Louis. Refais-en. Tu en es capable, alors fais-le. C'est peut-être jouable. Tous les ingrédients sont là.
dans le château. Il me faut un peu de temps. Mais je te promets que t'auras l'ombre. D'accord, on y va. Ok. C'est avec les moyens du bord. Mais ça devrait marcher. Ada. Trouve ces ingrédients. Et alors peut-être que je pourrais refaire le médoc. On a peu de temps. Vas-y, trouve-les. Moi, je vais chercher l'ambre. On croise les doigts. Je te conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai? Eh ben, après 6 ans, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Laissez le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui cette fois? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois? Ok, Louis. Et de deux. Le dernier est dans une salle accessible depuis les remparts. Apporte-moi tout ça en haut de la muraille. Et je te donnerai ton ombre. Oh. Et j'ai aussi récupéré quelques infos sur ce caillou. Je te les envoie. Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Léon, t'as laissé tomber?
Ada ? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein ? Tiens, j'ai tout ce qu'il te faut. Bien. Et moi, j'ai exactement ce que tu veux. Ça, c'est pas bon. Le parasite réagit à l'ambre. C'est ça, l'ambre. Tout à fait le genre de truc que Wesker recherche. Ça va endormir le parasite. Du moins pour un temps. T'es prête ? À tout salaud. Oublie pas. C'est pas un remède. Va falloir virer cette chose de ton corps. Le parasite endormi, t'auras qu'à me redonner cette foutue pierre. Je peux pas te laisser, pas dans cet état. T'en fais pas, ça ira. T'as une autre promesse à tenir. Ok, mais tu me rejoins dès que t'as fini. C'est quoi ça ? Il connaît vraiment l'endroit comme sa poche. Il faut que j'abatte cette créature.
ça. Amène-toi. Voilà, ici ça ira. Il est temps qu'on en finisse. Il faut que je retrouve Louis. Ada, l'enfoiré, Krauser, vient de me piquer l'ombre. Léon se bat avec lui. J'arrive. Désolé, je crois que je vais pas m'en sortir. Je t'envoie mes notes. Elles seront utiles. L'ombre, Louis, il est où? Mais qu'est-ce que tu dis? Merci, Ada. Au fond, c'est cool d'être un bon samaritain. Essaie d'aider Léon quand je serai plus là, ok? Tiens, justement. On dirait qu'il a besoin de moi. Léon! Louis, les adieux devront attendre. Pas la peine. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler, et pourtant... Tu parles vous échouer à... C'est bien. Occupe-le encore un peu. Où ça en est? Krauser s'est emparé de l'ombre. Tu continues de me décevoir. Je vais le récupérer, ne vous en faites pas. J'espère pour toi
La mission doit se dérouler comme prévu. C'est compris. Le client est roi, comme on dit. Tu cherches quelque chose ? J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à te poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi, Léon Scott Kennedy, tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête. Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada ? Ou tu comptes encore te servir de moi ? À ton avis ? On y est. Ne prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Vous êtes là pour quoi, cette fois, et pour qui ? Moi ou Sadler ? Tout va dépendre de toi. On change de plan. Bien sûr, tu peux toujours refuser. Ce flingue est censé me faire peur ? Intéressant. Ok. C'est d'accord. Mais ça vous coûtera plus cher. Sage décision. Je vais t'envoyer les nouvelles coordonnées. Et n'oublie pas, je déteste... Attendre, je sais. J'ai tardé. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever. Où est Louis ? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez. Le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis.
labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Évite de mourir, s'il te plaît. Excusez-moi, contrôle des billets. D'abord les lance-roquettes et après je m'occuperai du reste. Franchement, c'est pas dingue comme attraction. Il faut que je trouve le terminal. Thank you.
qu'on se sépare. Pas. Je suis connecté au terminal principal. Vous allez faire sauter toute l'île? Y compris la fille du président? Ça risque pas de vous compliquer les choses? Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Les faibles doivent se sacrifier pour les forts. Assez parlé, va me chercher l'ambre. J'ai fait le nécessaire pour que tu puisses quitter l'île. Bien sûr. J'y vais. Ok, Louis. Tu disais quoi déjà? Vous devriez le savoir, Wesker. Je ne vous obéis pas toujours. Tiens, Sadler.
Léon et Sadler. De s'unir à nous. Oh, qu'ils soient bénis, reçoivent la douce miséricorde. Exultons. Et qu'il en soit ainsi. Léon! Va-t'en! Contrôle, répondez. J'ai le paquet, c'est bon. Je sais pas comment je vais expliquer ça à la douane, mais... Bon travail, Ada. Évacue immédiatement. Compris. Quelqu'un va venir te chercher. J'espère que tout va bien de ton côté. J'ai déjà vu cette scène. Tu commences vraiment à me faire chier. Léon, on te voit, Ted. Vite. Thank you.
Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens ? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ambre. Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire ? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite. Son petit acte de rébellion ne change rien. Et puis, nous avons tout ce qu'il nous faut. On continue, comme prévu. Bientôt, le monde que l'on connaît touchera à sa fin.